Zase jedu ve vlaku. A zase na východ. Akorát, že ve Spojených státech. Když jsme sem připluli, kamarádi se mi v tom šrumci ztratili. No co, bez tak je uvidím doma. Poslouchejte, paň mámo, doufám, že máte v té kabele něco na pití. Už ten zvuk vlaku nemůžu ani slyšet. Povykládáme si. Vy jste ale legrační chlapík. Jste z legií, je tomu tak? Českoslovenští legionáři vracející se z Ruska. Je to tak. To jsme my. I tihle dva. Ospalka a Bručoun. Hej hola, bratře, co se mračíš? Zvládli jsme to. Cesta domů stále daleká, bratře. A já vím, jak si ji ukrátíme. Povím vám nějaké historky. Pamatuji si to, jako by to bylo včera. No, ono to skoro včera bylo. Et bonjour à toutes et à tous, ici le Caméléon, de retour pour un nouvel épisode de Last Train Home pour Legion Tale. Après avoir fait un petit succès sur les balançoires, la longue histoire, on va s'attaquer sur le fouet, l'histoire de Cheka. Les Blancs, inquiets de l'influence croissante des Rouges sur la ville, nous ont mis en contact avec la Résistance afin de découvrir et déjouer les plans des Rouges. Tout aurait pu bien se passer sans la mauvaise surprise qui nous attendait. Ok. Éliminer Vlad Lora et parler aux habitants. Carpe diem. Oh bah tiens, une mission... auquel on a déjà entendu ça. Trois unités seulement. C'est moche. Un secouriste et deux fusiliers. Ok. Augmente le temps de visée. Ah, c'est pas une bonne idée, ça. Et c'est tout. Ouais. Ah, il a un fusil automatique, lui. Intéressant. Parce que c'est l'équivalent d'une mitrailleuse, si vous voulez. Bon, bah, allons-y voir cette mission. Mais je le sens déjà très mal, bizarrement. Et s'il y a vraiment une voiture blindée dans le coin, on est vraiment dans la merde avec seulement trois hommes. Enfin, deux hommes et une femme. Oups là. Voyons voir ce que les Blancs nous réservent. Faut pas oublier que dans l'histoire, bah, les Blancs nous ont fait un petit coup de pute à la dernière minute avant la fin de la campagne. Mais par chance, on a eu quelques soldats blancs qui ont été avec nous lors de la bataille finale et qui ont respecté leurs paroles. Surtout qu'on les a quand même un petit peu aidés depuis le début de l'aventure. S bílou armádou jsme se setkali těsně před tábořištěm rudých. No, byl to jenom jeden chlap. Naštěstí, síla zdejšího odboje byla úměrná počtu rudých ve městě. A tak jsme měli při ruce seznam potenciálních spojenců. Civilista, kterého šikanují rudí, odstřelovač bílé armády, schovávající se někde v městských zahradách, granátník a důstojník rudé armády, kteří jsou ochotni zradit své druhy. Na tajňačku, samozřejmě. A pes. Přesně tak, odboj měl za člena i psa. Že prý stačí mu dát pamlsek a je celý váš. OK. Rozkazy? Mitrailleur d'élite. Počúvam. D'accord. Rozumiem. Voyons voir ce qu'on peut faire ici. Poste de mitrailleuse, ok. Vu que je n'ai pas d'éclaireur, je ne pourrais pas voir ce qui se passe. Criem ça. Jsem připravena. Co děs? Připravený. Rozumím. Bajvu, těšivu. Nikdy. Povídejte. Strana. Dobře, jdu tam. Nebude to čekat. Vidím nepřítele. Starám se o to. Là? Essayons de nous la jouer un petit peu furtif. Tout au début. Une petite sauvegarde au cas où. Vidím nepřítele.
Rozumím. Nepřítel. Už jdu. Il y a un petit peu du monde quand même. Les documents sont là en tout cas. Ano, pane. Attends. Il y a lui qui va être apporté, qui va pouvoir le poignarder, j'allais dire. Postaram se o to. Dobře, jdu tam. Nebude to čekat. Postaram se o to. Voilà. Ok, il regarde juste l'intégrité de la cloche. Non, non, c'était pour autre chose alors. Aïe, dommage. Ouh, d'accord. Počúvam. Vaše rozkazy. Zaujímam pozíciu. Vaše rozkazy. Už idem. OK, on va les flinguer, on va les avoir un petit peu à l'usure. Pripravený. Považujte to za hotové, pane. Čekám. Postaram sa o to. Kto to je? Ah mais ah il y a un véhicule ici et un autre poste de tir. Oh j'ai une idée. Oh j'ai ma petite idée. Ja se o to postaram. Что это было? Rozumím. Postaram se o to. On peut passer par là? Oui, on peut passer par là. Où je dois? Я проверю. Лучше пойти глянуть. Ано? Куку! Иду до утоку. Ты тут сел. И вот. Pane? Počúvam. Podľa rozkazu. Ça, c'est un sacré guet-apens. Poslouchám, pane. Áno. Pozriem sa. Vaše plány, pane? Dozvedeli sme sa dve veci. Za prvé, Rudí plánovali zničiť most a prerušiť tým naše zásobovanie. Za druhé, ano? Nechvalně známý Vláďa Krysa byl ve městě. Víte, koho myslím, ne? Práskačství byl jeho oblíbený koníček. Vypadal úplně obyčejně, ale tu jeho škaredou červenou hučku bych poznal kdekoliv. Počúvám. OK. Už idem. Tu jsme zaslechli. Řekni nám, co víš o odboji, lúzo! A na to jsme spatřili rudoarmějce, jak doráží na civilist. Toho našeho. Vaše plány, pane? Hezky, opatrně. Co máte dělat? Na půvosti, víte? Civilista vypadal, že má bolševiků tak akorát dost. Tak akorát, aby se přidal k nám. OK. Můžete mě pomoct? Sejčas. Eh ben mec, vu que tu me sers à rien en réalité, tu vas t'occuper d'un poste en particulier. La défense. Et si si j'ai besoin d'un chauffeur, da. Tu sauras où te mettre. Конечно. Santo. OK. Oh! Presuvam sa. Coucou toi. Nepřítel. Un poste d'obusier. Intéressant ça. Povídejte. Už jdu. Čekám. Oh, mais c'est joli ça. Такая морока.
Ok, il va falloir éviter de tirer n'importe où. C'est des civils un peu partout. Jsem připravena. Oh. Intéressant ça. Jdu do útoku. Ah. Ne laissez pas l'ennemi sonner l'alerte. Ok. On va éviter quoi que. Regardez un petit peu autour aussi. Ah, on a notre sniper là. Pour l'instant, je vais laisser ces deux-là avec l'obusier pour l'instant. Počúvam. Et on va se débarrasser avec cette équipe là. Et une petite sauvegarde au cas où aussi. Skryjem sa. Presúvam sa. Skryjem sa. A jednou se stlumeným výstřelem zatřáslo houští a ozvalo se z něj dobře mu tak. Presúvam sa. Voilà qui est réglé. Ten odstřelovač byl docela střízlík, ale zkušenosti a odhodlání zabíjet rudé se mu upřít nedalo. Un niveau 3, pane? Ok. Et il n'a pas toutes les compétences d'un sniper. Où je dois ? Pas grave, ça peut toujours être utile. Restez en mode discret, s'il vous plaît. Par contre, il va m'être très utile pour pouvoir... Podívám se. Vidím nepřítele. Ano. Jsem na cestě. Ouh, la patrouille. Ouh, la belle réserve de munitions. Par contre, les mettre dans un cimetière, je trouve ça un peu pute. Ano. Hmm. Rozumím. Prostojec! Připravený. Si se posilo. Vidím pozici. Rozkazy. Vobec. Oh, ano. Hledám kryt. Oh. Rozkazy, pane, jdu do útoku. Poslouchám. Jsem na cestě. Jdu do krytu. Ano, pane. Můžete se spolehnout. Eh merde mon sniper, j'ai fait que de la merde. Excusez-moi les gens. Excusez-moi sur le coup, je voulais voir si je pouvais m'occuper de ces mecs en faisant une petite embuscade, mais apparemment j'ai un peu mal foutu mon organisation. Et je sais pas comment ils ont réussi à les repérer instantanément. Mais bon, on va essayer de voir comment on peut gérer le reste de la situation. Allez. Poslouchám. Ah putain, je suis loin. Bon, tant pis. Hledám kryt. Nepřítel. Tant pis, tant pis. Éliminer les bols, les subordonnés pour le faire parler. Ah, d'accord. Что опять? Oh la vache, 390. A jednou se stlumeným výstřelem zatřáslo houští a ozvalo se z něj dobře mu tak. Ten odstřelovač byl docela střízlík, ale zkušenosti a odhodlání zabíjet rudé se mu upřít nedalo. Nepriatel! Zaujímám pozici. Vidím nepriateľa. Rozněs! Ano! Jdu do krytu.
ça. Le grenadier, c'est réglé. Ok, on va aller faire changer de couleur. Ah bah, il reste celui-là encore. Rozkazy? Kto to pôjde? Považujte to za hotové, pane. Rozkladám. Pane? Počúvam! O, tu je dangereux, là. Počúvam. Potřebuju další náboj. Poď na rozkaz. Pripravený. Áno. Postaram sa o to. Áno! Voilà, il nous a perdu de vue. On va se repositionner pour l'embusquer à nouveau, le pauvre mec. Voilà. Ah, plus de munitions. C'est ce que je craignais. Rozumiem. Faut juste espérer en retrouver parce que là, mon mitrailleur, il me sert à rien. Ah non, pané. Zaujímam pozíciu. Ah! Après, c'est près du chien pour le nourrir. Postaram sa o to. Poslouchám. Hej, prends ce poste-là. Ano? Měl jsi zůstat doma. Připravený! Oh, putain! Fils de pute! Požívám! Poslouchám. Zaměřuju. Čekám na rozkazy. Připraven, pane. Rozumím. Oh non, tu vas pas me dire que t'as pas le moyen de soigner quelqu'un. Čekám na rozkazy. Jsi v pořádku. Par contre, lui, si. Ah non. Mais ça fait très très Madame loin. Budeš v pořádku. Zde. Ça fait quand même loin. Ah, le con. Il fait un de ces sprints là. C'est le sprint de sa vie. Allez. Ouf, sauvé. Bien joué, mec. Vaše rozkazy. Jasná vec. On va retourner à ton poste. Quoique, je vais plutôt demander au mitrailleur d'aller se poster. Rozumím. À l'obusier. Připraven, pane. Oh, t'es sérieux, mec? Som tu. Už idem. Hmm? Quoi?
Ah merde! Il s'est passé quoi pour que il soit en alerte? Hned tam budu. Ano? Du coup, l'office, le grenadier s'est raté. Bah, je me demande si je vais quand même aller le récupérer. Ah non, je vais lui exploser, le pauvre. Bon, où est le chien maintenant? Rozkazy? Pozriem sa. Nepriateľ. D'accord, il est là. Pripravený. Áno. Peux l'ouvrir, mec? Doufali jsme, že pytel plný masa přesvědčí psa z odboje, aby štěkal za náš tým. Už idem. Vaše plány, pane? Postarám se o to. OK. Presouvám se. Attends, j'aimerais bien avoir une petite vision du chien là. Postarám se o to. Pourquoi il m'attaque? Považujte to za hotové, pane. Havran nabídl Hafanovi kus masa, řekl, tak je hodnej. A hned se z nich stali kamarádi. Pito? Ano. Podle rozkazu. Oh, le sale clébard. Chien de patrouille. Počúvam. To zvládneš. Il y a de quoi se soigner à part ici. Le hic, c'est que maintenant, le grenadier que je devais aller récupérer, c'est un peu foutu. Ah, on voit la différence, c'est le nombre de PV par rapport aux autres. C'est bon, tout le monde. Est... C'est bon, tout le monde. Ok, il peut taper un sprint. Bon. Ah non. Voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. Tenhle je můj. Kryjem sa. Povídejte. Útočím. Nebyl on. Čapku měl sice červenou, ale nebyla škaredá. Zapřísáhli jsme se, že si dáme větší pozor. Já bych pak klial sám. A tako. Ta čort s ním. Já nesplu. Ano? Takova čorta! Hey. Tenhle je můj. Ça c'est le grenadier là-bas. Stesni kavo. Ah là, il y a un petit groupe à aller s'occuper aussi. Čekám. Jsem připravena. Oh, l'obusier. L'obusier, il est génial. Quand on sait s'en servir. Počúvam. Už idem. Oh, un poste de mitrailleuse. Bon, le chien peut prendre le poste de... C'est bien, mon chien. Rozkazy. Créons ça. Qui l'a cru? Qui l'a cru qu'un chien pouvait aussi manier une mitrailleuse? Ah.
mais il est... C'est tellement mal foutu, mais c'est génial ce genre de bug. Est-ce qu'il sait vraiment le manier après? Oui. Ah putain. Áno. Áno, pane. Opa, vaj. Pozriem sa. Jasná vec. Ah, des munitions de fusil, on va en prendre. Y'a un camion qu'on peut utiliser? Oui, là-bas. Ah, y'a quelque chose qui m'inquiète, là. Preskúmam to. Nepriateľ. Un télégramme. Považujte to za hotové, pane. Postaram sa o to. Pozriem sa. Il y a un télégramme, d'accord. Pripravený. Preskúmam to. Považujte to za hotové, pane. Ja si popôsob. Зима близко. Ouais. Malheureusement, c'était foutu. C'est vraiment dommage. Bah, je me demande si je peux quand même aller récupérer l'autre officier. Rozkazy? Pane, preskúmam to. Oui, je peux toujours essayer de l'avoir. Что на этот раз? Faut le faire, ça. Faut le faire. Enfin, bref. Povídejte. Ouais, l'obusier va me servir à rien maintenant. Pane. Preskúmam to. Et... Pareil à tirer, chef. Waf. Rozkazy? Bon bah voilà. On n'a pas eu tout le monde, c'est bien dommage. Z Rudých zbyl naživu jen ten náš důstojník. Bylo vidět, že to má promyšlené. Doteď netuším, proč se k nám přidal. Ale věřil jsem mu. Ok. Alors, armé d'un simple revolver, j'imagine. Mais officier d'élite, ça veut dire qu'il a dû participer à la première guerre. Inspirer la prudence et aura de peur. Oblige les soldats... à se battre sous peine d'être exécuté pour leur lâcheté. La défense est réduite, mais la précision et la vitesse d'attaque augmentent grandement. Ah. Le soldat est la source de la compétence d'aura et n'est pas affecté par son effet, d'accord. Ah, il est en partie secouriste? D'accord. Rozkazy? D'accord, d'accord. Souvent ça. Voyons un petit peu dans les environs. Rozumiem. Pozriem sa. Ah, il y a des munitions de mitrailleuses ici. C'est pour notre homme auquel il n'avait plus de munitions, justement. Rozumiem. Ah, il peut quand même récupérer. Ce chien fait tout. Oh, bah, le chien n'a pas fait grand chose malheureusement. Ah, les explosifs. Ils sont là. Našli jsme výbušniny. Revenons par ici. Čekám na rozkazy. Et je sais pas pourquoi on doit le poser là. C'est peut-être pour Vlad, justement.
Rozumím. Padla kosa na kámen a s vládou krysou je už navždy amen. Ha! Už jdu. Ok, c'était lui, Vlad. Hned tam budu. Des caisses d'explosifs. Il y en a partout, en fait, des caisses d'explosifs. C'est assez inquiétant. Si on fait pas attention, on pourrait avoir de sérieux problèmes. Ok, il faut essayer de désamorcer la bombe et je fais une petite sauvegarde au cas où. Připravený. Ostrím se. Cliquez pour le désactiver. Ah, c'est là, ok, qu'il va falloir le désactiver. Ok, à moins de passer par autre part, j'imagine. Oui, on peut passer par en haut. Panier. Ça me semble être la plus logique. Reçois-moi ça. La chose la plus logique à faire. Non, non, t'as rien vu, mec. Ah non, panier. Ce n'est juste que le vent. Reçois-moi ça. Kryjem sa. Mením pozíciu. Petite sauvegarde par ici, on sait jamais. C'est dommage que l'obusier ne puisse pas atteindre la cible. Rozkazy. Zaujímam pozíciu. Počúvam. Здесь никого. Хорошо. Позримся. Видим неприятеля. Окей, окей. Что на этот раз? Приправенный. Неприятель. J'ignore lequel d'entre ces quatre-là vont pouvoir activer la bombe. Postaram sa o to. Hledám kryt. Здесь никого. Хорошо. А з ничего ниц се руди дали до погибу. Мусели сме си поспішити. Jsem odborník na dráty. Takže když se Divišová jala zneškodnit detonátor, byl jsem rád. Ve městě najednou, jako když utrhne. Okenice se zavíraly a lidičkové spěchali domů. A pak jsme to zaslechli. Ve městě se objevila Čeka. Úplně nás zamrazilo. Хорошо, иду. Стоять! Ты бьешь, мужчина?
Ten Hafan se mi moc nezdál, ale byla ho škoda. Havran to oplakal. J'ai rien compris ce qui s'est passé. J'ai perdu toutes mes unités d'un seul coup. Du coup, on va recharger la partie. Mais c'était pas mal là, le coup du chien qui sabotait le système des explosifs. Par contre, la suite de l'opération, j'ai rien compris non plus. Vaincre qui? J'ai pas bien suivi, mon général. J'ai perdu beaucoup trop de temps à cause de ces conneries, putain. Allez. Criem ça. Ok, il y a un mec qui a repéré. Nepřítel. Skontrolujem pozíciu. Nepriateľ. Faut juste éviter que quelqu'un touche à... Ah non, il y a un autre télégramme aussi dans le coin. Ano? Sur le coup, j'aurais bien aimé que l'obusier soit très utile parce que là. Nepriateľ. Je sais pas quoi faire là. Rozkladám. Mets-toi en position, mec. A z ničeho nic se rudí dali do pohybu. Museli jsme si pospíšit. Ok, ça d'accord. Když si zahráváte s výbušninami, musíte tak nějak počítat s tím, že můžete přijít o končetinu. Ale my máme naše končetiny rádi, takže jsme prostě jenom rudoarmějce od výbušnin vyhnali. Ve městě najednou, jako když utne. Okenice se zavíraly a lidičkové spěchali domů. A pak jsme to zaslechli. Ve městě se objevila Čeka. Úplně nás zamrazilo. Připravený. La Čeka. Idem na pozíciu. Pour l'instant, j'ai l'air d'un ignorant, je sais pas c'est qui, ni quoi, et... Oh, oh, coucou toi. Rozumiem. Áno. Не знаю как, но надо что-то делать. Ваши rozkazy, pane. C'est à moi. Надо работать. Ideme! Pane! Putain! Le chien. Attaque! Voilà.
Зима близко. Ваша мать! Жадное дальше уж надо не видно. Надо работать. Зима близко. Такая морока. Барсуга, если ты. Čekám. Ano. To prčic. Neznáju, jak... Vaše plány, pane? Dělat. Postarám se o to, pane. On ça, toi. Ano. En attendant, nous, on va essayer Vyrážam. De voir c'est qui la chica. Rozumiem. Připraven. Je... Jako by se stalo, pane. Připravený. Idem na pozíciu. Nepřítel. Uh-oh. Čekám na rozkazy. Jako by Nepřítel. Se stalo, pane. Oho. Podívám se. Grosse réserve de munitions, est-ce que je vois? Ano. Et de ressources pour se soigner. Hledám kryt. Vidím nepřítele. A tu se náhle objevili. Znáte Čeku, ne? Tajná bolševická policie. Ano. Elitní vojáci. Ne, o těch jsem jak těživa neslyšela. A tak, jsou až tak strašliví? Mnohem horší. D'accord, la police russe. Útočím. Počúvám. To je lepšia možnosť. Áno. Mon obusier, il fait quoi là? Такая морока. Allez, bâtard. Il fait quoi l'obusier là? Checkam. Il m'aide ou pas? Ah merde, ils sont hors de portée. Надо работать. Ils sont hors de portée. Aïe, aïe, aïe. Jsem připravena. Oula, vache. Jdu do útoku. Postarám se o to. Très violent à ce que je vois. Počúvam. Vous êtes pas soigne d'abord le chien, le pauvre. Donc la Tcheka, c'est la police russe. OK. Ça m'a donné quelques petites infos intéressantes au final. Rozumím. Hned tam budu. Nepřítel! To zde, pokaži jsi. Vaše rozkazy? Budeš v pohodě. Počúvam. Coucou.
Čekám. Postarám se o to. Útočím. Je zbrok. Jdu do útoku. Jak jsem stál nad těmi mrtvými čekisty, myslel jsem na lidi, které mučili. Na děti, ze kterých udělali sirotky. A na domovy, které rozvrátili. Ať se čekisté smaží v pekle. Ok. Ça suffira pour cet épisode, en tout cas. L'histoire de la Tchéka, ouais. Malheureusement pour celui-là, saisissez les chances qui se présentent. Malheureusement, je n'ai pas pu sauver, sauver entre guillemets, recruter le grenadier ivre. C'est vraiment très con, malheureusement, mais ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire si je l'avais récupéré à temps. Mais je sais pas pourquoi il y a eu l'alerte et que ils ont sonné la cloche. Je sais pas. Mais en tout cas, Vlad, Laura, c'est fait et tout le reste, c'est fait aussi. Cette mission secondaire a été résolue très difficile. Ça fut très difficile, c'est bien dommage. Les soldats commencent sans munitions. Ok. La santé des ennemis est doublée, ok. Le mode silencieux est désactivé. Les abris sont désactivés, c'est moche. Terminer la mission en moins de 20 minutes. C'est moche ça aussi. Vive comme l'éclair. Deux snipers, deux fusiliers. Ouais, sans médecin, c'est pas vraiment une bonne idée. Que des snipers, mais par contre, camouflage, oh yeah, et 4 éclaireurs en plus. Ah, ça m'intéresse, et 4 oh d'accord, c'est les scouts. Je comprends mieux, c'est les scouts. Approche gracieuse, 2 grenadiers et 2 mitrailleurs. Non. Je préfère ça, moi, on sait jamais. Un de ces jours, je le ferai. Donc, c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao. C'était le Camélan dans Last Rain Home, Legion Tale. À la prochaine. Et je vous le dis clairement, ne faites pas comme moi. Foncez pas tête baissée. Ah, quelle merde.